délices que j'ai ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment tes délices que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. La sainteté, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Le Seigneur vous bénisse. Oui. Le frère, oui. Bonsoir maintenant et bienvenue. La soeur, ta dame, elle est fatiguée. Oui, ça va. Je vous fatigue beaucoup. Ou bien? C'est bon. C'est bon. La soeur Ami, bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu n'es pas fatiguée. Ce soir, non, pas du tout. Non. La sœur Anne, bonsoir. Bien positionnée, la sœur Anne. Bonsoir, mon frère, oui. Mm-hmm. En position. En position. La sœur Suzanne Clodon, bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Ça va, tu n'es pas fatigué, n'est-ce pas? Non, ça va, mon frère, merci. Dans quelques minutes, il sera minuit, je crois, bien chez vous. Et minuit également ici, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous permettez qu'on travaille vraiment ce soir encore? Oui. Le frère Yves, comme il a dit qu'il était allongé dans le lit, c'est sûr qu'il a dit dormir maintenant cette fois-ci, parce que depuis, il ne fait même plus signe. Hein. Le frère Yves, tu es là? Ou bien madame a dit que soit tu vas sûrement m'adorer aujourd'hui. Que le Seigneur le bénisse. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aborder le thème du parfum. Je crois que quelqu'un, c'était la soeur Christiane. Je ne t'ai pas dit bonsoir encore. Bonsoir. Mais tu sais que même si tu ne dis pas bonsoir là directement comme ça, qu'il dit aux autres, j'étais toujours à cœur, n'est-ce pas? On va causer probablement demain, plaise au Seigneur, d'accord? On va causer, il y a des choses à diverser de ton cœur. Où ça sort? D'accord? Bon, je te dédie particulièrement cette musique, ça allait, suis. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.
l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Christian, n'est-ce pas l'expression de ton état de cœur maintenant, dans ce moment-ci? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce garçon dit que ma vie soit un parfum de bonne odeur, n'est-ce pas? Et déjà, parfum, c'est le titre de cette chanson. Quoi de plus bien que de voir ce titre, ce thème-là, n'est-ce pas, ma soeur Reine? Amen, mon frère. On parle de quoi maintenant? Pas de parfum. Qu'est-ce que tu veux savoir concernant le parfum? Je veux savoir si je dois jeter mon J'adore Dior, qui m'a coûté très cher. Oui, si c'est pour l'autre, là, tu dois d'abord jeter. Tu sais pourquoi tu dois jeter? Non. Parce que tu ne dois pas adorer Dior. Il faut que ça te fasse vraiment mal. Pas le sacrifice que tu fasses mal. Mais l'autre aussi doit te faire mal carrément, n'est-ce pas? C'est clair. Bon, maintenant, entrons en plein dans le parfum, dans la notion du parfum. Donc, on va voir le parfum. Et on pourra toucher autre, l'huile et autres, toutes ces choses-là, tous ces instruments. D'accord? Dans la dernière fois, nous avons vu, dans la dernière partie, nous avons vu le cadre de la musique et tous les instruments dont il est question. Voyons également le parfum pour Andy, parce que nous venons de, par rapport à la sœur qui a dit qu'elle avait un truc, un parfum J'adore, et puis le Seigneur lui a montré clairement qu'il fallait jeter cela. Bon, maintenant, il y a donc des gens qui enseignent effectivement qu'on ne doit pas utiliser du parfum parce que c'est démoniaque. Vous avez entendu aussi cela, hein? Oui. Que les parfums. Oui, j'ai entendu cela, que les parfums sont démoniaques. Mm-hmm. Que tous ceux qui utilisent le parfum finiront en enfer. Oui, oui. Mm-hmm. J'ai entendu ce genre de choses-là comme ça. Il y a un site vraiment qui a expliqué tout ce genre de choses-là. Mm-hmm. Concernant les marques de parfums, tout ça, bon. Mmh. Oui. Bon, avant donc d'avancer, la première chose que vous devez savoir, effectivement, c'est que en dessous de l'eau se trouve, en dessous de l'eau, des eaux, je pourrais dire, en dessous des eaux, ce que vous voyez, des eaux continentales, ainsi des eaux intercontinentales, se trouvent des industries, des fabriques, de beaucoup de choses, non seulement le parfum, mais beaucoup de choses qui se trouvent sur la Terre. C'est la première chose là-bas. Des inventions qui se trouvent sur la Terre se trouvent être des répliques des choses qui sont fabriquées là-bas. Des technologies que nous inventons ici, des nouvelles méthodes de technologie que vous avez là-bas, comme on dit à la pointe de la technologie, n'est que des infimes parties des choses qui sont manipulées là-bas. Vous voyez des grands scientifiques, je ne vais pas citer le nom d'aucun scientifique d'antan que nous connaissons aujourd'hui, mais quand vous prenez par exemple Mozart, vous voyez effectivement pourquoi Mozart est tellement apprécié par rapport à cette musique où on parle de musique classique et ainsi de suite.
les gens qui ont le secret de l'initiation de la franc-maçonnerie savent donc pourquoi. Beaucoup de ces gens, Achmed et autres là-bas, comme je dis, je ne dois pas les citer le nom, comme je ne les cite pas là comme ça, beaucoup de ces gens qui ont eu des théories et ont découvert des formules sont et automatiquement des francs-maçons ou bien dans les cercles ésotériques. Qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Je vais vous expliquer par exemple quelque chose, une brève explication avant d'avancer dans ce que je viens de dire. En physique, il y a, pour ceux qui ont fait la physique, vous avez, il y a des lois sur les retours de la lumière de Schness, de Maxwell. Quand vous prenez ces lois-là et de Schness, Descartes et les lois de Maxwell sur la lumière, sur l'électromagnétisme, et pour ceux qui sont les sorciers doivent savoir de quoi ils sont de parler. Je ne veux pas dire que j'en suis un. Voilà. De toute façon, même si je dis comme ça, il n'y a pas de problème. De toute façon. Alors, je tente de le dire, vous remarquez très attentivement. Sur les lois de la diffusion de la lumière, alors voici notre soeur, vous avez la lumière au-devant de vous, vous avez un miroir, je crois que c'est très bien pour le faire, pour faire l'expérience. Vous avez une torche avec vous, la soeur, le frère Trabi et son épouse. Je crois que derrière vous se trouve un miroir, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? J'espère que vous, je crois que vous avez le problème là. Vous m'entendez? Ok. Donc, je disais donc que la sœur Trabi et son époux, vous avez un miroir devant vous. Derrière vous, là, nous voyons un miroir, n'est-ce pas? Et dans ce miroir, nous voyons effectivement le tableau qui est positionné au milieu. Nous voyons ce même tableau dans le miroir là-bas, de l'autre côté. Donc, le miroir se trouve comme un plan réfléchissant qui relie les deux dimensions. La dimension que nous voyons dans le tableau là-bas, dans le miroir, et ce qui est ici. C'est vrai que sur ce tableau-là, à l'angle exactement, la position où il y a la touffe des fleurs là, si vous pointez une lumière à cette position-là, comme la position A, si vous pointez une lumière, vous allez voir cette même lumière-là, le trait dans l'autre, dans son image symétrique qui est de l'autre côté. En clair, si la lumière part d'un point A en réfléchissant sur une surface O et retombe sur un autre point B, si vous prenez la source de la lumière, vous mettez à la position B cette fois-ci, en frappant sur le point O, c'est sûr et certain, à 100%, que ça va réfléchir en passant par A. Écoutez très attentivement. Si vous avez un point A ici, et vous envoyez la lumière, ça tape en un point O, et ça va en un point B. Si vous changez, parce que vous pointez la torche à partir du point A, si vous changez la torche et en mettant le tableau en un instant à ce point A, vous pointez votre torche à la position B, en frappant ce même point-là, ça va arriver exactement là où il y avait la torche initialement. On parle donc de la loi des retours inverses de la lumière. C'est-à-dire que la lumière parcourt le même chemin si on inverse même le pôle et les sources, le lieu où on envoie la lumière. Vous savez, n'est-ce pas? Oui. C'est exactement ce que les sorciers utilisent pour lancer le tonnerre, pour diriger le tonnerre sur les individus. C'est cette formule-là. Il y en a plein. Il y a le paratonnerre. Lorsque vous voyez effectivement, il y a ce qu'on appelle le paratonnerre. C'est parce que quand le tonnerre est venu sur un instrument, comme Christ a été pour nous le paratonnerre, sur un instrument, on met le paratonnerre, les antennes pour capter cette tonnerre-là. Les sorciers, pour vous qui avez habité dans le pays africain, vous pouvez bien saisir ceci. Les sorciers qui envoient des tonnerres, vous allez remarquer souvent, vous voyez un baobab qui a été frappé de la lumière. Vous voyez effectivement, ou bien des papayers qui ont été grillés à l'issue des tonnerres, ou bien des cocotiers qui ont été grillés. Ce sont des choses qu'on a dirigées sur quelqu'un et ça a été désorienté parce que le tonnerre marche comme la lumière avec les éclairs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On craint le retour inverse. Ce que vous appelez, c'est que les temporalistes vous disent back to sender. Ça suppose que si quelqu'un se positionne à un point A, il balance le tonnerre en s'en réfléchissant sur une surface où l'esprit part pour frapper quelqu'un au point B. Si ça arrive là-bas, la personne est une surface réfléchissante. C'est-à-dire que la personne fait rentrer le même tonnerre. Ça va parcourir la même distance et ça frappera la personne qui l'a envoyé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut placer dans un prisme, un truc qui va dévier au cas où ça rentre. C'est parce que vous comprenez. Ça, c'est en physique. Donc, la physique, les choses physiques, les formules physiques qu'on enseigne aux gens avec ces mathématiques, n'est que des résidus du satanisme caché de la métaphysique. Ouais, là, on se trouve avec les livres, n'est-ce pas? Alors là, il y a le paratonnerre. Donc, quand vous allez voir sur le plan moderne, on va construire une antenne. Mais sur le plan mystique, on peut mettre une marmite là quelque part ou bien une machette où on pointe au sol. Vous pensez que tout simplement que c'est une machette, mais il y a des formules démoniaques qu'on reste derrière pour que ça puisse orienter ces choses-là. Voilà. Maintenant, de la même façon, ces choses-là sont développées dans des laboratoires
hors de la dimension humaine. Souvenez-vous, lorsque nous voyons les choses de musique que nous avons vues aujourd'hui, nous avons vu dans la première partie, nous avons vu les choses de musique. Nous avons lu le livre de Genèse chapitre 4. Nous avons vu effectivement que les premières répliques sur la terre de la musique est venue du côté de Caïn, ainsi de suite. Et mais au préalable, nous avons vu qu'au ciel, ça se trouvait là-bas. Et donc, Satan étant chassé du ciel, Lucifer étant chassé du ciel, descendu, il a répliqué cela là-bas. Mais les lions, ils se trouvent dans un quartier général, ce n'est pas juste un esprit qui est comme ça, de ça et là. C'est un gouvernement. Souvenez-vous, on l'appelle le prince de ce monde. Et s'il est le gouverneur de ce monde, je veux que les gens puissent bien saisir ceci. S'il est le gouverneur principal de ce monde actuel, vous devez admettre que s'il donne la gloire au président comme ça, comme la Bible dit, qui donne la gloire au président comme ça, il dit que c'est lui qui donne. C'est ce que la Bible enseigne dans le livre de Matthieu chapitre 4, que c'est lui qui donne cette gloire-là au président. Vous devez vous poser des questions par rapport à là où il vit. Vous devez vous poser des questions. Ok, s'il donne cette dimension de gloire à Barack Obama, à Saddam Hussein, à comment s'appelle, Vladimir Poutine, à Yasser Arafat, tous les grands présidents de ce monde-ci, et qu'ils ont cette gloire là où les hommes, quand on regarde, ça se lutte tellement où on aimerait être à côté du président. On devait poser la question, chez Satan, ça sera comment? Donc, il a un monde à lui, qui est parallèle à celui-ci, et donc il fait des répliques pour pouvoir revenir ici. Il a le droit de faire passer son monde à lui. On dit, c'est lui le prince de ce monde-ci. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a dans des instruments, et c'est normal, il y a des boutiques clairement sur la terre qui sont des boutiques démoniaques. Enfin, la preuve en est qu'il y a des boutiques dans les coins des rues, que ce soit dans des pays européens, africains même, où on vend des fétiches, où on vend des livres exotériques, des boutiques consacrées à Lucifer, où il y a des formules magiques qui s'y vendent, vous voulez des livres magiques, vous y allez. Il y a des livres, il y a des zones où on vend des parfums, où on vend des parfums pour faire l'archange Michel. Enfin, ceux qui ont été des catholiques ont été des savent de quoi il est question. La question, c'est d'où viennent toutes ces connaissances-là? Ça vient de Satan et de ses acolytes qui sont là pour pervertir l'humanité en leur faisant faire des incantations pour pouvoir entrer en contact avec des êtres que Dieu a déchus, et donc Dieu a interdit le contact avec eux. Il pousse toujours les humains donc à faire des fautes pour pouvoir être, pour qu'on soit coupable devant le Seigneur. L'une de ces choses-là sont des inventions que nous avons aujourd'hui, les technologies, les nanotechnologies et toutes les autres technologies que nous avons aujourd'hui, les technologies de pointe que nous avons aujourd'hui. Et souvenez-vous ceci, ça ne doit pas seulement faire du bien à l'homme, ou bien faire du mal à l'homme, ça fera du bien, toujours. Parce que s'il propose seulement ce qui fait du bien, du mal, les gens vont rejeter. C'est ça le vrai problème. Parce que vous allez voir, effectivement, on va dire qu'il faut souvent voir le bon côté de la chose. La chose est tellement servie, prenons le cas de la télévision par exemple. C'est tellement, on prend même votre téléphone portable. Avec votre téléphone portable, vous pouvez taper un endroit, une destination par rapport à Google Maps, à un endroit, ça vous conduit à la destination. Ça, c'est bon. Ça, c'est la géoposition. Le GPS de positionnement, vous pouvez savoir la localisation de quelqu'un maintenant. Mais en toile de fond se trouve le contrôle de vos vies, le contrôle de nos vies. On peut savoir, si vous passez un coup de fil, on peut savoir exactement, à quelques centimètres près, l'exacte position où vous vous retrouvez. Connaître votre paramètre, entre même, parce que les technologies qui sont conçues étant celles que des choses sont enregistrées maintenant à partir de votre téléphone à votre insu. On connecte des données dans votre vie privée, vous ne connaissez pas. Quand vous voulez vous arrêter sur un compte, on vous demande de donner un autre compte que vous avez en parallèle. Et on vous propose que c'est au cas où si vous égarez votre mot de passe, vous allez être là-bas. Parce qu'ils savent effectivement que quelqu'un peut les échapper. Si vous créez un compte au nom de Trabi, vous voulez faire quelque chose, vous serez obligé de mettre un autre compte. Dans l'autre compte, on va synchroniser, on va avoir les autres informations de l'autre compte et on amènera en sachant exactement qui c'est. Quand vous synchronisez votre compte, tous les contacts que vous avez eu avec des gens, les conversations que vous avez eu avec les gens, on peut savoir, on a en même temps les informations sur vous et sur les gens que vous avez dans votre téléphone. C'est terrible. Ces aspects-là, vous ne voyez pas. Donc, en clair, il est en train de mettre en pratique la technologie qui va subjuguer toute la nation à l'adorer. Tout le monde entier à l'adorer. Il pourra passer ses méchances maintenant. Vous restez tranquillement. Un opérateur vous envoie, pour le cas des Africains particulièrement, je ne sais pas ce qu'il en est de l'Europe, un message sur votre téléphone en disant qu'il faut faire les campagnes d'évangélisation. Les gens passeront dans votre secteur pour faire les campagnes d'évangélisation. On dit que le gouvernement a signé une alliance avec l'entreprise de téléphonie pour envoyer ces messages. On envoie sans vous demander quoi que ce soit. On envoie des messages publicitaires sur votre téléphone et vous restez savoir à tout le monde. Et chaque message publicitaire qu'on envoie à des positions bien déterminées, à des intervalles bien déterminés, ça sert des balises. Des balises. C'est parce que quand il parle de balises, vous comprenez ce qu'il veut dire. La seule référence se trouve dans sa maison. On lui envoie un message maintenant pour dire, par exemple, que vous allez recevoir un crédit gratuitement. À l'heure que ce message est venu dans son téléphone, géographiquement, on peut la localiser quand est-ce qu'elle a reçu ce message. Lorsqu'elle sort pour aller à la boutique qui est à quelques kilomètres d'elle, on envoie le prochain message. Lorsqu'on va faire, on va voir effectivement, vous voyez effectivement qu'on peut tracer son parcours journalier à partir des messages qu'on lui a envoyés.
Mais ça, elle va seulement voir les messages qu'on envoie, les messages qu'on envoie, les messages de publicité qu'on envoie. Elle ne sait pas que les messages de publicité sont en toile de fond faite pour la surveiller. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, par jour, un policier peut venir là-bas. On peut savoir exactement, vous dites, madame, aujourd'hui, à telle heure, vous étiez dans tel magasin. Après, vous êtes allé à tel endroit. Après, vous allez à tel endroit. On place votre parcours. Alors, mes chers frères, nous sommes mal barrés. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous la dire? Je veux dire, le monde dans lequel nous vivons, au-delà de ce monde, et en dessous de ce monde, se trouve des mondes parallèles contrôlés par le prince de ce propre monde qui est le monde physique. La Bible déclare qu'il fait des incursions, des insertions dans notre monde. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, on a vu effectivement que quand Jésus gênait, il est venu dans ce monde, il l'a amené sur le monde du temple. Lui présenter la. Il a dit chose ici. Donc il vient de temps en temps ici, sur la terre. C'est ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne qu'il va venir encore. Et il se présente comme un ange des lumières. Et il a même dit, ses ministres sont parmi nous, prêchant la parole. Donc, il ne faut pas qu'on le sous-estime. Alors, le monde souterrain et le monde des eaux. Dans un enseignement, j'avais parlé de Apocalypse chapitre 20, où il a dit, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. La mer et les morts qui étaient en eux rendit les morts qui étaient là. Je vous ai posé la question, est-ce que ce sont les morts par noyade? Parce que si vous mourrez par noyade, l'eau va vous balancer sur la terre. Ce n'est pas possible parce qu'en fait, on ne parle pas de la chair ici. On parle de l'âme. L'âme, l'eau ne peut pas noyer l'âme. Vous devez comprendre qu'il y a des champs de gouvernement en bas qui prennent les âmes des hommes. Il y a sur la terre et dans les églises terrestres, et non seulement dans l'église terrestre, des ventes et des commerces des hommes, des âmes. Vous savez ça? C'est la Bible qui le dit. Vous avez lu ça dans la Bible? Vous avez lu dans la Bible que si vous ne sortiez pas de Babylone, on va vendre votre âme au diable. Vous avez vu que c'est Apocalypse. Allons-y là-bas, on arrive. Apocalypse. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 18. Vous y êtes? Regardez, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'à ce qu'on y arrive. Apocalypse, chapitre 18. La sœur Claudon, bonne arrivée encore et rebonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Souvenez-vous qu'on veut parler spécifiquement du parfait, mais je suis obligé de brosser de façon générale comme ça pour vous montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un seul objet. Satan n'est pas sur la terre de faire le parfait. Il n'est pas un parfumeur, un habit acheté. C'est pas cela. C'est un grand récepteur. Je veux que vous savez de qui il est question. Quand nous voyons la position sur la musique, vous avez vu effectivement qu'on a dit de lui que c'était un chérubin aux ailes déployées. Quand la Bible utilise la terminologie aux ailes déployées, ça suppose qu'il avait la gouvernance sur beaucoup d'étendues. Voilà. Chapitre 18 dans l'Apocalypse, à partir du verset 5. Écoutez bien. Non, prenons à partir du verset 2. Regardez. Il cria d'une voix forte disant... Non, alors on va partir du verset 1 même déjà. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Vous avez vu cela? Maintenant, cet ange-ci vient sur la terre, ça veut dire que pendant ce temps sur la terre, Babylone se trouve là. Aussi, vous lisez dans le livre d'Isaïe et dans le livre d'Ézéchiel, vous allez voir effectivement qu'on parle de ces mêmes Babylone là, qui étaient les types de ce qui devait arriver. Donc, ceci se trouve dans le futur. Et nous sommes en plein là, il y a les Babylones au milieu de nous. Maintenant, on dit, Babylone est tombée. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Or, physiquement, vous ne voyez pas les esprits habiter nulle part. Identifier qui est Babylone, on dit qu'à l'intérieur d'elle se trouvent les esprits des démons. Mais vous ne pouvez pas les voir. Vous voyez? Maintenant, écoutez bien, le verset 1 dit encore, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Maintenant, et on dit que Babylone qui était sur la terre, elle est tombée. Et on dit que chez elle, elle est devenue une habitation de démons. Donc, Babylone qui est sur la terre se trouve être infestée de démons. Donc, on est sur la terre là. Maintenant, continuons. Verset 3. Parce que toutes les nations, ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Parce qu'en collaborant avec lui, on recevait de ce qui sortait de Babylone, des esprits impurs et des démons, des choses qui sortaient des démons, sans s'en rendre compte. On est mal barré hors de Jésus, je vous le dis. Mal barré.
Vous demandez à quelqu'un que vous, depuis que tu es né, tu es dans la vie, le démon, il va dire que le démon c'est quoi? Il ne connaît pas de quoi tu parles. Ce sont les choses, ce sont les films fantaisistes. Mais ils ne savent pas qu'au milieu de la terre, se trouve un autre monde parallèle. Notez Ézéchiel chapitre 8 et chapitre 9. Vous avez noté? Voilà. Si cette musique en fond sonore vous dérange, vous me dites je baisse. Vous entendez en même temps cette musique là, n'est-ce pas? La soeur, ça c'est gênant. Ah, la musique là. Ça permet qu'on ne dorme pas, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse franchement pour, la, pour votre amour pour la parole. Votre amour pour sa parole. Que cet amour-là ne décroisse pas, mais que plutôt que ça croisse et que ça scelle cette parole dans votre cœur pour que vous viviez par elle. Amen. Alors maintenant, écoutez encore verset 3, parce que toutes les nations, remarquez très attentivement, on a dit toutes les nations. Je veux que vous saisissiez que cette chose, si ça se passe, ça ne se passe pas dans le passé, autant d'Ézéchiel, autant de l'Ancien Testament. C'est autant du Nouveau Testament où nous sommes. Et c'est après la venue du Seigneur Jésus-Christ et c'est son ascension au ciel que cet événement se passe, n'est-ce pas? Et on dit que toutes les nations ont bu du vin de la furie de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Vous vous souvenez que Satan avait demandé à Jésus, le diable avait demandé à Jésus dans Matthieu chapitre 4 de se prosterner et de montrer donc la vision de toutes les nations de la terre avec leur royaume, avec leur gloire. Il a dit prosterne-toi, il veut le faire. Donc il y a une collaboration entre le gouvernement mondial, le gouvernement du monde avec le monde démoniaque. On peut continuer? Et on dit et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Écoutez, mais écoutez très attentivement, mes chers, ne ratez pas ceci. Écoutez, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Soulignez. Donc quand on dit des choses, qu'il y a des commerces qui se font entre les démons et les ténèbres et les gens de la terre, les gens ne comprennent pas. Donc maintenant, après je vais expliquer. Il faut qu'on aille à la Bible pour voir tout cela. Vous allez voir, n'est-ce pas? Donc, initialement, on dit que dans Babylone se trouvent donc des esprits impurs et odieux. Il a collaboré avec les hommes. On appelle ça l'impudicité. D'accord? Lorsqu'il collabore avec les hommes, on parle maintenant de la prostitution. Les rois de la terre sont allés commettre prostitution avec eux, l'impudicité. Donc les rois de la terre ont fait allégeance à des démons. Ce n'est pas seulement eux. On parle des marchands de la terre. Vous allez voir mes frères et sœurs. Je continue seulement. Et on a dit que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Souvenez-vous de Ézéchiel chapitre 28 qu'on a lu dans la partie où nous parlions de musique, nous traitons de musique. On a dit que par ta sagesse, tu t'es corrompu. Alors, allons encore là-bas, allons dans Ézéchiel. Oh mon Dieu, je me sens vraiment bien là-dedans. Ézéchiel chapitre 38, vous allez voir quelque chose. Parce que là, nous étions arrêtés dans la partie où nous traitons de la musique, vous allez voir quelque chose par la suite. Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel. Le chapitre 28. Regardez, verset 15 et suivant. Vous y êtes? Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître chez le bien protecteur. Du milieu des pierres étincelants. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Écoutez, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané ton sanctuaire. J'ai fait sortir, écoutez bien le verset où je cite chaque fois, je dis chaque fois dans les enseignements. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera. Je t'ai réduit en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen, amen, amen. Donc nous voyons effectivement qu'on dit que par la grandeur de son commerce, il a péché. Donc vous voyez qu'il y a tellement de l'injustice en lui. Et vous voyez, donc le premier commerçant c'est Satan. Vous me donnez telle chose, je vous donne telle chose. Et donc là il fait le commerce donc, avec les âmes de la terre. Il y a des gens donc, qui vendent dans des boutiques, ils font alliance. Il y a des Africains, les Maliens, des Sénégalais qui vont dans les différents pays et ils ouvrent des petits restaurants, des petites boîtes à café où les gens mangent. Et même en Europe, la majorité d'entre eux prennent des produits et des démons pour pouvoir servir. Les gens ne savent pas cela. Vous entrez dans des restaurants, vous allez voir effectivement dans des coins, ils ont mis des seaux en haut. D'autres ont attaché des seaux de l'autre côté.
Et je me souviens bien quand j'étais à l'université, j'étais entré dans un restaurant, dans un restaurant. Je suis assis, le chef me dit que tu ne dois pas être là. Il me regarde, il dit c'est quoi? Il dit tourne-toi, regarde le seau. Il y a quelque chose là-bas dans ce seau-là, ce sont les remèdes qu'ils utilisent pour attirer les clientèles. Donc tu manges là-bas, tu as le désir toujours de manger là-bas. Et vous êtes étonné que vous êtes étudiant, vous avez les œufs chez vous, vous avez déposé les œufs, le café pour pouvoir faire, mais vous quittez, vous laissez les œufs là-bas, vous allez au restaurant pour manger les mêmes œufs là-bas en payant. C'est quand même terrible. La manipulation, les démons qui le font. Beaucoup les Maliens travaillent comme ça avec des démons. Vous allez les voir, ils sont toujours normal, mais la boutique est toujours remplie. Vous posez la question, ces Maliens, c'est où est-ce qu'ils prennent l'argent? Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent comment ce qu'ils travaillent avec les souris, Yassine, et ainsi de suite. Ils font des récitations pour que les invocations, pour que les choses viennent de l'extérieur, pour être mises dans leur boutique et l'argent s'est multiplié. Or, voilà des choses qui se passent. Des commerces se passent avec le monde des ténèbres. Les gens qu'on les appelle les Aladis, ceux qui sont dans le monde musulman, comprennent ce que je suis en train de dire. Ils ont des gandouras qu'ils ont reçu des ténèbres. S'ils envoient la main dans la poche de la gandoura, ils peuvent sortir avec le lot de l'argent, tout ce qu'ils veulent. Il y a ceux en Côte d'Ivoire, des gens qui font des porte-monnaies avec de l'argent, des porte-monnaies à argent. Il suffit d'avoir ces porte-monnaies, ils travaillent là-dessus, vous retirez de l'argent chaque fois, l'argent ne suffit pas, l'argent ne finit pas. Vous voyez, ce trafic-là, c'est pas sur la terre. Il y en a tellement de choses. Et les gens vont les contacter pour avoir de l'argent. Ils font des publicités partout, aux yeux, au fil de tout. Il peut dire, voici son argent, il fait des manipulations là-bas, l'argent sort dans un seau. Où est-ce qu'ils font? Les démons qui font des va-et-vient là-bas, ça et là. Et ce sont des vrais biais, souvenez-vous, des vrais biais. Mais la question c'est, pourquoi font-ils ça? Et qui leur donne le pouvoir? C'est le diable qui le fait. Et ils savent, parce qu'après ça, ils doivent donner le sacrifice pour maintenir cela. Et les personnes qui prennent cet argent ont intérêt à manger cela à une époque bien déterminée. S'ils ne le font pas, ils ne respectent pas les clauses, c'est leur vie qui en paye. Parce qu'il n'y a rien qui se gagne sur le soleil comme ça. Si on transgresse les alliances normales que Dieu a établies, les lois naturelles, il y aura des sanctions. Et qu'est-ce que Satan fait? Il fait comme ça pour maintenir les âmes des gens dans les captivités. Donc tout homme qui est assoiffé d'argent, tout homme qui est dans la cupidité, tombera sous le coup de ces gens-ci. On arrive. Souvenez-vous, je vais de loin pour amener au niveau du thème du parfum ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'accord? Amen. J'espère qu'on n'est pas fatigué. Non. Ah, c'est bon. Délicieux. Ok. Ça me rassure parce qu'il ne voulait pas voir quelqu'un dormir. Quand ces choses sont développées comme ça, donc il faut que nous veillons à sur nos voies parce que tout ce que nous faisons sur la terre, nous devons savoir que nous sommes contrôlés. Et autour de nous, dans les bus, dans les avions, vous montez dans les avions avec quelqu'un qui est peut-être dans la franc-maçonnerie et qu'il a fait son initiation, peut-être il a raté l'initiation, on doit le punir. Ce jour-là, il vous envoie dans le champ, vous mourrez ensemble. Satan fait d'une pierre plusieurs coups. Vous allez dans les supermarchés, vous ne savez pas avec qui vous sert. Dans les bus en transport en commun, vous ne savez pas qui vous dirige. Dans vos centres de formation, que ce soit dans les écoles, ainsi de suite, ça, enfin, nonobstant les endroits où vous trouvez, les gens qui vous contrôlent, vous ne savez pas qui sont ces gens-là. Hormis les gens de la terre qui ont des enveloppes humaines comme ça, pas tous ceux qui ont des enveloppes humaines, sont des humains parmi nous. Il y a des démons venus en chair. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, l'apôtre Pierre est né, les autres sont nés, Jean-Baptiste est né, ainsi en est-il de Judas Iscariot qui était né au milieu, mais c'était le fils de perdition. Beaucoup des généraux de la guerre, des Vatanguerres que vous avez, les présents Vatanguerres, sont des fils de démons, des démoniaques qui viennent pour développer certaines choses de pointe pour pouvoir manifester la gloire de Satan. Parce que comme vous priez que notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, ainsi eux ils prient seulement que Satan manifeste, Lucifer manifeste son règne ici sur la terre. Ils font également le Notre Père, et leur Père c'est Lucifer. On continue là, mes soeurs. Ah oui, go on. Voilà, écoutez encore la dernière partie. Nous sommes au verset 3. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Vous voyez que les marchands de la terre se sont enrichis à cause du luxe de ces messieurs-là, de Babylon la Grande. Et en plus de ça, il est dit que c'est le commerce qu'ils font, les marchands de la terre. Maintenant, on continue. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Donc nous voyons effectivement que au milieu de Babylone se trouve aussi le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu se trouve incrusté dans la Babylone. Et donc maintenant, ça veut dire que dans notre ère que nous vivons, puisque nous avons identifié que cet Apocalypse chapitre 18, on a parlé d'un événement qui sont après Jésus, post-venu de Jésus. Et donc ça veut dire qu'il se pourrait que nous soyons dans Babylone sans s'en rendre compte, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut qu'on sache qui est Babylone, de quoi est-ce que la Bible appelle par Babylone et quelles sont ces choses-là, comment il faut en sortir. Parce que si vous ne venez pas Babylone physiquement, vous êtes spirituellement, donc il faut en sortir spirituellement.
Et si vous êtes physiquement et spirituellement, vous devez en sortir physiquement et spirituellement. D'accord? Alors, tout ce que nous voulons voir ce soir, c'est nous voyons cette pensée de Babylone et toutes ces actions qu'il fait au milieu des hommes. Et l'une de ces actions-là, c'est le parfait. On va examiner à l'ennemi la parole de Dieu, ce qui vient de lui et comment il faut faire pour en sortir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bénis dans la sainteté, bonsoir. Wow. Voilà. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Donc, ça veut dire que tout ce que Babylone fait, c'est comment? C'est le péché. Et Dieu ne veut pas que son peuple participe à cela. Ah, frère, nous vivons des sales moments. Nous vivons vraiment des sales moments. Il ne faut pas qu'on prenne part, comme la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, qu'on prenne point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Voilà. Maintenant, la Bible déclare, afin que ne prenez point part à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Parce qu'il y a les fléaux qui sont, réservés au péché correspondant à Babylone. Donc, si quelqu'un y a, il va avoir part à ses fléaux. Maintenant, verset 5, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Donc, Dieu lui a laissé le temps, le libre arbitre sur la terre. Il a fait, il commettait le péché. C'est comme s'il a le libre, il se croit homme de la reine. Si vous lisez le livre de. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 21 oui, dans le livre d'Ésaïe, pratiquement Ésaïe chapitre 21 et Jérémie chapitre 50, parlant de ces mêmes Ézéchiel, de ces mêmes Babylone, vous savez, c'est tellement plein en moi où je vais parler toujours vite. Si je vais vite, veuillez me retenir, d'accord? Vous faites seulement comme ça. Donc je t'en ai dit, cette même chose, si c'est réitéré dans le livre d'Ésaïe chapitre 21 et Ézéchiel, Jérémie chapitre 50, Babylone. Or, la Bible déclare qu'elle est voluptueuse. Elle dit qu'elle est assise en reine. Il n'y a point personne dans ce livre dans les prophètes. Et si la Bible déclare que ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités, comme si Dieu avait oublié. Souvenez-vous de Genèse chapitre 15. Lorsque Dieu parlait avec Abraham, il a dit que à la quatrième génération, tes fils sont tes descendants faits seront ici, ils vont me serviront. Parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore arrivée à son comble. Donc, quand Dieu se tait, les gens pêchent sur la terre, ils ont l'impression que non, Dieu ne répond plus, Dieu ne frappe plus comme avant. Ils ne savent pas qu'il y a un degré où ça va arriver au temps marqué et Dieu va frapper. Amen. Dieu dit ici, car ses péchés se sont accumulés. C'est-à-dire qu'il a commis une dimension de péché, puis commis un autre péché, puis commis un autre péché. Dieu a un temps. Eux, ils ont la façon de faire, mais Dieu, le temps et les circonstances sont contrôlés par le Seigneur. Amen. Maintenant, verset 6 dit, payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Verset 7, écoutez bien, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Ça se pose que cette institution-ci vit dans le luxe. Cette institution-ci vit dans le luxe. Et souvenez-vous, c'est une institution physique qui est sur la terre. Je veux qu'on comprenne très attentivement que non seulement c'est une institution physique, mais il y a une dimension spirituelle. Parce qu'on dit qu'en elle se trouvaient les démons. Donc c'est une institution physique sur la terre, palpable, donc qu'on peut toucher, qu'on peut doigter. Et dans le sein duquel tout ce qui se tourne autour du luxe, du commerce, des prostitutions, donc du côté des cieux. Et par conséquent, ce n'est que ceux qui sont du côté de Dieu qui peuvent considérer ce qu'ils font comme étant de la prostitution, du mal, du péché. Ils ne peuvent pas comprendre. Si tu es à l'intérieur, tu vas savoir que c'est normal, parce que pour eux, c'est normal. Vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, verset 7 dit, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Regardez bien, elle s'est glorifiée. Vous vous souvenez, quand nous parlions de la musique, la personne qui a commencé à construire la ville, elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Autant de lui, de tourment et de deuil. Donc la dimension du luxe et de la gloire qu'on a de nous, c'est l'ascension. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, dit la Bible. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Souvenez-vous de Babylone. N'oubliez jamais cela. Souvenez-vous de Babylone. Souvenez-vous maintenant, mes chers soeurs, je vous lance maintenant cette sonnette d'alarme. Priez chaque jour et demandez au Seigneur, Seigneur, révèle-moi les œuvres de Babylone dans ma vie. Amen. Seigneur, révèle-moi les œuvres de Babylone dans ma vie. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous de cela. Il ne faut pas qu'il y ait des traces de Babylone dans votre marche chrétienne. Il ne faudrait pas que vous participiez d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin à Babylone. Parce qu'elle est destinée au feu. C'est ce qui est écrit ici. Elle est destinée au feu. Et Dieu a donné l'ordre à son peuple de sortir. C'est-à-dire quoi? Il doit y avoir une séparation entre nous et Babylone. Voilà. Verset 9. Et tous les rois de la terre, tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront
et se lamenteront à cause d'elle. Ceci pose un problème. On parle des rois de la terre, donc dans le cadre moderne, on parle des chefs d'État de ce monde-ci. Mmh. Donc, le chef d'État de ce monde-ci collabore avec ces gens-là, cette entité. Et cette entité-ci octroie des richesses. Donc, elle a plus de richesses même que les rois de la terre. Mmh. Ah mon Dieu. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Babylone, la grande, une femme, Babylone. Quand ils verront la fumée de son embrasement. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est physique. On va voir. Vous êtes là, n'est-ce pas? Mm-hmm. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur. Écoutez très attentivement, la grande ville. Soulignez la grande ville. Donc le Seigneur vient de nous montrer ici que Babylone a pour siège une ville. Une ville, pas un pays, une ville. Qui a le contrôle au point où les chefs d'État vont collaborer avec elle. Vous voyez là, on se trouve là. Et elle a le luxe, un grand luxe au point où il est obnubilé tellement, mais au point où il peut séduire même les rois de la terre. Les rois de la terre vont collaborer avec elle pour avoir du luxe. Vous pouvez savoir clairement de quoi il est question, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez savoir clairement de quelle ville il est question. Écoutez bien, malheur, malheur, la grande ville, Babylone. La ville puissante, soulignez la ville puissante. Mm-hmm. N'allez pas croire que c'est New York, ni Washington. N'allez pas croire que c'est Moscou. Mm. Elle n'est pas puissante à cause du fait qu'elle a une grande armée. Que non. Parce qu'elle a une puissance démoniaque. Parce que c'est le contrôle d'esprit, des spirituels qui contrôle la chair. C'est le domaine spirituel qui contrôle le domaine de la chair, le domaine du matériel. Donc, plus la personne est puissante dans l'esprit, plus il pourra avoir le contrôle sur les gens. Vous voyez? C'est pas Rome. Comment, ma soeur? C'est pas Rome, le pape. Tu poses la question, mais tu réponds, ma soeur. Je n'ai pas posé de question. Je suis en train de lire ce matin. Non, non, non. Elle demande si c'est pas Rome. Oui, voilà, c'est pas ma question. Le père a écrit pratiquement. Donc, se tenant, verset 10 encore, se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Écoutez bien, très attentivement. Et les marchands de la terre pleureront et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Donc, pendant qu'on est sur la terre, cette institution-là fait des commerces parallèles qu'on ne sait pas, en présentant une autre face. La mafia. Verset 12. Cargaison d'or, d'argent, des pierres précieuses, des perles. Allez, essayez de faire des recherches pour savoir où la grande partie des pierres précieuses, sinon la majorité de ce monde se trouve, entre les mains de qui. Quand vous allez voir toutes ces choses-là, vous allez voir que votre Bible est digne de confiance et digne d'être suivie. Et notre Dieu est grand et glorieux. Amen. Des pierres précieuses, des perles, des fins lin, des pourpres, des soies, des calates, de toute espèce de bois, des senteurs, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, des cinnamomes, d'aromates, des parfums. Vous pouvez noter le verset 13 déjà. La soeur Christiane, veuille fermer ton micro, bienvenue encore. Des cinnamomes, d'aromates, des parfums, des myrrhes, d'encens, des vins, d'huile, des fines farines, des blés, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chats. Écoutez. Le dernier volet dit quoi? Des âmes des hommes. Donc, à l'aide de cet esprit, c'est fait même le trafic même des âmes des hommes. C'est là où je voulais vous conduire. Ouais. C'est terrible, pas vrai? Ouais. Hum. Verset 14. Notez bien le verset 13 et la dernière partie du verset 14. Le corps des âmes des hommes. Le corps et d'âme d'hommes. Corps et dame d'homme. Donc, non seulement le corps de l'homme, des hommes, se trouve là-bas dedans. Donc, il y a la momification qui se trouve là-bas, le corps des hommes. Puis, il y a leur âme qui est vendue. Ah, mon Dieu. Verset 14. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront malheur, malheur. Écoutez bien, la grande ville,
qui étaient vêtus de fin lin et de pourpre d'écarlate, et de parées d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses a été détruite. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, dans ce lieu, à un coup, on peut arriver là-bas par bateau. Mmh. Par bateau, par les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et il s'écria en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient de la poussière sur leur tête et ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient en disant, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis, écoutez bien, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires. Vous voyez, quand la Bible dit des choses comme ça, il faut qu'on fasse des recherches. Tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, a été détruit. Amen. 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 Donc, en premier résumé, comme je tente de le dire à l'entame de mes propos, il y a un monde parallèle qui se trouve aux côtés de nous, avec nous, et en dessous de nous et au-dessus de nous. Nous sommes au centre d'une discussion, d'une guerre entre les esprits, constamment traversée. Vous pouvez passer dans votre salon comme ça, vous dormez comme ça, les mauvais esprits passent devant de vous, ne savez pas. Si seulement si vous pouvez voir une seule fois, vous ne dormirez plus, c'est ça le problème. Vous allez devenir le parano. Donc Dieu merci que les chrétiens ne n'ont pas de vision. Parce que vous voyez, quand vous voyez même les anges, d'abord même ça effraie. À combien de fois les anges, un démon. Donc il faut rendre grâce à Dieu le fait qu'il ferme nos yeux pour que nous voyons pas ces choses. Vous passez en route comme ça, vous entrez dans une voiture, vous entrez avec le démon, et démon, vous conduisez, vous parlez ensemble. Ils sont aussi là, ensemble, au milieu de vous. Mais comme vous ne voyez pas, vous n'êtes pas dérangé. Mais si vous voyez, il y a un démon. Vous allez dormir comme ça, même si c'est l'ombre qui passe, vous allez savoir que c'est un démon. Donc Dieu merci qu'on ne voit pas. Donc, mais on collabore ensemble dans le même sillage, dans la même dimension. Vous y êtes? Donc, maintenant je vais continuer. Dans ce chapitre 18 de Matthieu, d'Apocalypse, on a vu carrément qu'il y a une entité qu'on appelle Babylone dans laquelle il y a des trafics d'âmes d'hommes. Il y a des commerçants qui collaborent avec lui. Et la plus grande, c'est que dans cette institution qui se trouve sur la terre, il y a une collaboration entre eux et le monde spirituel des démons. Bien plus maintenant, il y a le trafic d'âmes d'hommes. Souvenez-vous, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 et 1 Timothée chapitre 3 et chapitre 4, la Bible déclare qu'il y a des gens qui vont venir avec des doctrines des démons. Ils vont enseigner les doctrines des démons, dont les démons viennent sur le plan humain dans des prédicateurs pour enseigner des choses, des enseignements démoniaques. Et le but, ce sera de faire quoi? D'amener les âmes vers eux. Pas vrai, frères et sœurs? C'est ça. Les commerçants, donc, les commerçants, et là on pose la question. Si nous lisons Actes des Apôtres chapitre 16, lorsque l'apôtre Paul, au verset 16, quand il a délivré cette femme qui avait cet esprit de Python, le verset 17 et suivant disent que les maîtres, gardez bien l'esprit, c'est les maîtres de cette servante-là, voyant la perte de ces gains-là, parce qu'ils voyaient que le commerce était terminé, pas vrai? Ils voyaient que le commerce était terminé, ils ne pouvaient pas avoir de l'argent. Voyant que le commerce était terminé, ils ont mis la main sur Paul, ils ont soudoyé les gens pour qu'on se lève contre eux. Maintenant, la question, c'est tous ceux qui passaient par cette femme pour avoir la connaissance par rapport à leur futur ou quoi que ce soit. Ils avaient effectivement la connaissance exacte. Ils avaient des révélations par rapport à leur vie. Mais en toile de fond, qui les parlait? Les démons. Quand les démons leur parlent et qu'ils acceptent cela, qu'est-ce que devient leur propre vie spirituelle et leur âme? Souillé. Lorsque vous allez chez le marabout vous dit par exemple, allez apporter les larmes des chiens, les dents d'une mort, les yeux d'une poule marron, et on fait des concoctions, et puis les gens, ils font des incantations en parlant en langue. Vous m'entendez là? Oui. Voilà. Quand on fait ces concoctions-là, ils partent dans les champs, ils partent chercher des produits. Quand ils viennent, est-ce que vous savez quelle porte ça s'ouvre et à quelle dimension dont notre âme est infestée? Non. La collaboration de la Bible, de l'homme avec les démons, dit la Bible dans le livre de Lévitique chapitre 19, le verset 6, le verset 31 et Lévitique chapitre 20, verset 6, parle, la Bible déclare que si on se procède avec les esprits, on va se souiller avec eux, Donc les âmes sont souillées, entachées. Dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres et chapitre 16 également, chapitre 19, vous voyez la grande déesse Diane avec son fervent défenseur qui avait l'industrie sur la terre. Connaissez Démétrius, n'est-ce pas? Qui était un orfèvre et qui avait une association même des anciens. Vous savez, ce sont les maçons là-bas, c'est les vraies origines de la franc-maçonnerie là-bas. Vous voyez, ils font des temples,
font des tables, ils ont des mystères. Il y a des gens là-bas des mystères. Mais il fallait que ces choses viennent les challenger pour qu'ils disent qu'en fait, c'est la table de la grande déesse que tout le monde rêvait. Or, maintenant, dans ce temps-là, on dit que l'Asie et tout le monde rêvait cette personne. Donc, dans l'adoration quotidienne, les gens adorent un esprit, ça rend compte. Les gens qui travaillent dans cette industrie, dans cette association, servaient qui? La grande déesse, la Diane Artemis, la Diane des Éphésiens, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quelqu'un sortait tranquillement, il partait au travail, et son travail consistait, par exemple, à s'asseoir dans une boutique, vendre les statues de Diane, vendre des choses et des accessoires qui s'y trouvent. Cette boutique-là était démoniaque, parce que les esprits étaient derrière pour pousser cette personne à s'enrichir en vendant les esprits aux gens et des choses d'un autre monde aux gens pour maintenir sa propre famille. Vous voyez là où les êtres humains... Je suis allé dans la Bible depuis pour amener l'affaire des parfums et les autres dont on parle. Parce qu'on parle aux gens, les gens ne comprennent pas. Que non, ah, vous voyez les satans partout. C'est dans la Bible que ça se trouve. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Comme nous sommes en train de voir, pas vrai? Alors donc, quand Démétrius forme l'association, et nous voyons effectivement que dans ce livre des Actes des Apôtres, des associations étaient tellement fondées au point où toute la vie s'est levée pour défendre Diane, la Diane des Éphésiens, qui est révérée dans tout le monde entier. Ça veut dire que tout le monde était d'accord, on la servait. Et là, voici maintenant en plein Babylone. Là, voici encore qui est là. Elle n'a pas quitté. Une nation change-t-elle son Dieu? Que non. Alors nous nous trouvons donc en plein Babylone sur la terre. Souvenez-vous, le feu est descendu et ça a brûlé Babylone sur la terre. De telle sorte que les gens étaient dans le bateau, on pouvait voir son embrasement, comment cette bombe nucléaire a frappé là-bas. Ça a réduit en cendres cette ville de 44 hectares. Là. Vous voyez? Donc vous voyez effectivement que quelque chose va arriver sur la terre où tout le monde sera témoin. Même ceux qui seront dans la bombe vont voir son embrasement à distance. Ceux qui seront dans la bombe vont voir son embrasement à distance. Et maintenant, comme c'est elle qui contrôle toutes les banques, presque toutes les banques et même le FMI près d'elle, vous voyez effectivement qu'on sera fini maintenant avec la crise sur la terre. Maintenant, et les marchands, il dit bien, c'est l'aspect des marchands qui veut qu'on examine ce soir pour avancer. On dit que le marchand collaborait avec elle. Et en elle se trouvaient des esprits. En elle se trouvaient des esprits. Tout esprit, et même des oiseaux odieux. Alors, quel est le rôle de ces démons? C'est de répliquer aux marchands. Parce qu'on a dit marchands. On a cité les différents styles de marchands là-bas, des brebis et autres, des cinnamon et autres, des parfums, des bijoux. On a signé les parfums, on a signé les bijoux. Quoi, l'argent et or. Donc, ça veut dire que les marchands sur la terre qui vont, la majorité sont en collaboration avec les démons. Ça veut dire qu'ils reçoivent des instructions claires d'ouvrir les boutiques et de vendre certaines choses. La question maintenant, c'est quand les pasteurs vont, par exemple, au Bénin et autres, en Inde, en Égypte, chercher des bagues, qui vont, les talismans qui sont travaillés. Quand on dit c'est travaillé, ça suppose qu'on a magnétisé. Et magnétiser, c'est une autre façon, plus pour ne pas gâter la sensibilité ou bien heurter la sensibilité, de pour dire qu'on a mis des puissances démoniaques dedans. Donc, quand quelqu'un dit que ma bague est travaillée, il dit que c'était une possession démoniaque. Alors, ça peut manipuler les gens, manipuler les gens, manipuler les gens. Et des gens ont, pour ceux qui font des restaurants, il y a des gens qui font des restaurants, on leur donne des instructions. Pendant que vous préparez, vous devez pisser dans, vous devez mettre des urines. Et beaucoup de personnes mangent dans des restaurants, ça se rend compte que d'autres personnes mangent des pipis dans des nourritures. D'autres personnes coupent leur sang, après avoir fait ça, ils mettent le sang dans des nourritures où on mange. C'est terrible, frère, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Et on les sait. Je ne sais pas si vous comprenez, on est mal barré. C'est pour cela que la Bible dit qu'on vend, que tout ce qu'on achète sur le marché, on doit prier pour consacrer cela au Seigneur d'abord. D'accord, frère? On arrive. Donc maintenant, on se retrouve au niveau où on a convenu et on a vu clairement dans la Bible que des marchands de la terre collaborent avec les démons et vont là-bas faire des navettes pour pouvoir s'enrichir. L'un des moyens les plus glorieux, les plus bons, c'est pas au travers donc des parfums. L'un des moyens les plus, parce que des parfums attirent facilement les esprits. Vous comprenez ce que vous allez dire, n'est-ce pas? Un parfum qui travaille avec les incantations, un homme peut vous saluer, mes chères soeurs, il peut vous saluer avec son parfum, il va chez lui, vous le suivez. Avec le parfum. C'est ça. Donc, quelqu'un peut vous dire, ah, je ne peux pas, l'homme n'a rien fait. Il passe à côté de vous. Il passe à côté de vous. Son parfum vous attire au point où vous commencez à le suivre comme un chien. C'est ça. Son parfum. Alors, mon frère, il faut délivrer des parfums. Il faut une délivrance pour mettre les parfums. Non. Je n'ai pas dit que les parfums sont démoniaques. C'est parce que ça ne dit. J'ai voulu vous faire comprendre pour qu'on puisse bien saisir que, en fait, ces instruments-là sont des moyens par excellence pour eux de travailler au travers de nous. C'est l'un des moyens parce que des parfums, vous allez même chez les marins, vous allez voir effectivement qu'ils brûlent le parfum dans le feu. D'autres encore, avec le parfum, après être lavé. Parce que ces parfums-là vont amener les esprits.
Ceux qui travaillent dans l'église catholique, on leur donne le parfum, dit le parfum de Saint-Michel et l'Archange, c'est ce qu'on leur dit que c'est Michel. Saint-Michel et l'Archange est aussi tranquillement là-bas. Ce sont des parfums démoniaques. Et ce sont des parfums qui, dans leur environnement, ça va leur donner des relèves. Ils vont croire effectivement que, en réalité, ils ont des solutions. En réalité, ça invite davantage de démons dans leur vie. Ils ne se rendent pas compte. Ça expose les âmes. En fait, on a dit qu'on a trouvé chez elles les âmes d'hommes et des corps des hommes. Ils s'incrustent des démons. Les démons entrent véritablement bien. Et quand ils entrent, ils disent aux autres démons qui étaient là-bas que calme-toi d'abord pour qu'ils croient qu'on n'est pas là. Ils sont ensemble. C'est un royaume divisé. Donc, aie pitié des prêtres catholiques, de ceux qui sont. Oui? Quelqu'un veut parler? Il peut avancer. Non. Marc, chapitre 14. Vous êtes d'accord avec moi que le frère Yves dort depuis, non? Peut-être il a dit à sa femme que je t'adore, ma chérie. On donne nos derniers membres. Bah, je vous pose la question, pendant que vous en avez d'ouvrir Marc au chapitre 14, quand ces choses sont déployées dans la parole, vous voyez dans la parole déroulée, qu'est-ce que vous pensez de ces choses-ci? Qu'il faut beaucoup s'accrocher au Seigneur, que la Bible est vraie. Mm-hmm. Parce qu'elle n'a pas caché quelque chose à nos yeux, à ce temps de la fin-là. Mm-hmm. Gloire soit rendue à Dieu de ce que le Seigneur envoie ses serviteurs pour que nous comprenions ces choses-là encore plus clairement. Oui, vous voyez donc qu'on a ça dans la Bible clairement écrit. Oui. Bon, maintenant, un chrétien qui ne lit pas la Bible. Oui, ma soeur, tu dis. Mais on lit sans voix. Sans voix, mais c'est là-dedans. On ne venait pas d'écrire, n'est-ce pas? Il n'y a pas un an qui est descendu pour écrire ça maintenant. Bon, maintenant, vous voyez, effectivement, quand on dit ces choses, les chrétiens vont discuter. Ils disent que non, qu'est-ce que le commerce a à voir avec les démons? Vous aimez voir les démons partout. Mais on vient de voir cela maintenant que les commerçants sont démoniaques. C'est ça. Quand vous voyez, par exemple, les grandes chaînes de télévision, laissons les télévisions tranquilles, on va venir pour le cas, les grandes marques d'habits. Les grandes marques de parfums. Vous allez dans une boutique, vous voyez quelqu'un a 4 habits. Mais vous vous demandez comment quelqu'un qui a 4 habits dans son lieu de marché, ou bien 5 parfums, comment peut louer une studio, une maison aussi chère comme ça, à des prix exorbitants. Il vend tout simplement ce parfum. Qu'est-ce que ce parfum contient pour qu'on puisse vendre un truc de parfum peut-être à 5000 euros? Qu'est-ce que ce parfum? Vous devez vous poser des questions. Vous devez poser les bonnes questions. Pourquoi ce parfum s'il va coûter 5000 euros? 5000 euros, un boîte de parfum. Qu'est-ce que cela a de particulier? Vous devez vous poser des bonnes questions. Vous devez vous poser des bonnes questions. Ah non, c'est Chanel Paris. Ah non, c'est Christian Dior. Christian Dior, c'est quoi? Qui a rendu son nom famous? Comment on dit cela? Famous, c'est quoi? Ça. Cette histoire-ci, c'est quoi? L'histoire des Français-ci? Célèbre, non? Célèbre, voilà, célèbre. Merci, sœur. Ah, la sœur, là, elle est là, bilingue maintenant. Qui a rendu son nom célèbre? Donc, ils font allégeance avec Lucifer. Lucifer rend le nom célèbre. Mais en retour, c'est là où le vrai problème. En retour, quand ils investissent sur le plan humain pour pouvoir avoir le retour sur investissement, qu'est-ce que Satan gagne derrière? Derrière le commerce que le monsieur s'y fait, l'extension, le but, c'est l'âme pour Satan. Satan n'est pas pour but de prendre votre argent, prendre votre matériel. Il s'en fout de cela. C'est votre âme. C'est pour qu'on périsse avec lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors. Apple, iPhone. Oui. Voilà. Donc, vous voyez effectivement que. Toutes ces personnes-là ont les symboles et ont. Enfin, si vous faites des recherches, vous allez voir que tous ces grandes entreprises, toutes ces grandes marques-là sont de connivence avec Lucifer. Lorsqu'on a compris cela, la question maintenant c'est que quelle est l'implication sur nous qui utilisons cela automatiquement? Il faut poser ces questions, il faut qu'il y ait des réponses. C'est ça. Voilà. Marc chapitre 14, donc. Je crois que s'il continue comme ça, il n'a pas lu le parfum aujourd'hui. Marc au chapitre 14. Vous pouvez noter donc déjà, noter Matthieu chapitre 6, on va commencer, on va aller là-bas. Notez Matthieu chapitre 6, vous y êtes? Mm-hmm. Verset 10 à 17, le verset 17 qui nous intéresse. Il n'y a pas de manière d'ouvrir, noter, parce qu'il va donner, puisqu'on va lire, au fur et à mesure, il va expliquer. Chapitre 26, verset 7. Matthieu chapitre 26, il a d'abord dit Matthieu chapitre 6, verset 10 à 17, le verset 17 qui nous intéresse. Matthieu chapitre 26, verset 7 à 12. Vous y êtes? Mm-hmm. Marc chapitre 14, qu'on va lire maintenant, j'ai demandé que vous ouvrez Marc, on va y aller maintenant. Ouais. Marc chapitre 14, verset 3, verset 1 à 4. Vous y êtes? Mm-hmm. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 5 à 11. Vous y êtes?
Luc chapitre 1, verset 5 à 11. Chapitre 7. Verset 37 à 46. Vous y êtes? Chapitre 23 de Luc toujours. Verset 56. Allons dans le livre de Jean. Chapitre 11, verset 1 et 2. Chapitre 11. La sœur qui en a décrit, quand tu écris maintenant, nous sommes dans l'étape du parfum, dans la deuxième partie, n'est-ce pas? Alors, Jean chapitre 11, verset 1 et 2. Chapitre 12, verset 1 à 7. Jean chapitre 12, verset 1 à 7. Vous y êtes? Philippiens chapitre 4. Vous entourez ces Philippiens-ci. Philippiens chapitre 4, verset 18. Hébreux chapitre 9, verset 4. Hébreux chapitre 9, verset 4. Apocalypse. Chapitre 5, verset 8. Chapitre 8, verset 3. Vous remarquez que je suis allé dans la deuxième partie de la Bible. L'Ancien Testament, je n'en ai pas encore là, n'est-ce pas? Chapitre 8, verset 3 et 4. Chapitre 18, verset 13, dont on a lu tout à l'heure, lorsque nous lisions l'histoire de Babylone. Voilà. Maintenant, nous allons lire Marc chapitre 14. Après avoir lu Marc chapitre 14, on va aller dans le livre de Luc, dans les séries de Luc là. D'accord? Et ensuite, on va lire Philippiens au chapitre 3. Philippiens chapitre 4, verset 18, dont je vous ai donné. On y va. Maintenant, chapitre 14. Regardez, suivez très attentivement. Chapitre 14, je vais lire à partir du verset. Verset 3. Bon, prenons la partie du verset 1. Donc, notez Luc, Marc, chapitre 14, verset 1 au verset 11. C'est là où ça se trouve. C'est ce qu'on va lire. Et puis, il pourra encore vous en donner parce que c'est plein. C'est vraiment plein. Marc, chapitre 14, verset 1 à 11. Maintenant, je lis. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu dans 2 jours. Devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, maintenant, où ça nous introduit. Comme Jésus était à Béthanie, une femme dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre, soulignez, un vase d'albâtre. Un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard. Le vase à l'intérieur contenait, renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Et ayant rompu le vase, c'est-à-dire qu'il a ouvert, elle a ouvert. Elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Souligné. Vous y êtes? Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Donc vous voyez effectivement que le parfum était tellement précieux où les disciples lui-même, les disciples ceux qui étaient là, ont dit que merde! Comment dépenser ce parfum comme ça là? Donc, verser sur la tête de Jésus, ce parfum était pour eux une perte. Nous allons comprendre pourquoi c'était une perte, était considéré pour eux comme une perte. Écoutez, verset 5. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers
et les donner aux pauvres et il s'irritait contre cette femme. Vous y êtes? 300 deniers. Il a dit plus de 300 deniers. C'est-à-dire que plus de 10 mois de salaire. C'est ce que la contenance, le prix de ce parfum d'albâtre qui était dans ce parfum de nard là, dans cette boîte d'albâtre. Il dit bien son prix, c'est-à-dire que quelqu'un a une contenance comme ceci. Et à l'intérieur, c'est tout le liquide qu'on verse sur la tête de Jésus. Et on taxe le prix à plus de 10 mois de salaire. Plus de 10 mois. Donc, plus de 300 deniers. Parce que 300 deniers, ça fait 10 mois de salaire. Et donc, vous avez plus de 10 mois de salaire. Donc, vous pouvez travailler une année pour acheter un petit parfum. La question, c'est, ça veut dire quoi concrètement le parfum? Et quel est l'important du parfum? Quel est le but? Que signifie le parfum sur le plan spirituel? D'accord? Voilà. Maintenant, continuons ici. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi? Nous sommes au verset 6 maintenant. Pourquoi? Vous y avez moi. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Soulignez cette phrase. Quelle est la bonne action que la femme a faite? Casser le parfum. Rompre et mettre ça sur lui. Voilà. C'est bon. On va encore voir. Je crois qu'après ceci, on va d'abord aller dans le livre de Matthieu, le premier volet, le premier verset qui est donné de Matthieu, puis avant d'aller dans le livre de Luc. Regardez. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Amen. Puis Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. N'est-ce pas, on a de raconter là maintenant? Ça. Voilà. Maintenant, nous arrêtons là-bas. Donc, Jésus dit que le fait qu'on ait bêté le parfum sur sa tête était une bonne action. Et puis, il explique plus tard qu'en fait, elle a embaumé comme ça pour la sépulture. Donc, c'est une bonne chose. Donc, utiliser aussi le parfum, comme on va voir tout à l'heure, là, pour embaumer les gens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, dont vous avez noté là, on va voir effectivement que là-bas, les disciples, Marie, Marthe et autres là-bas, sont allés embaumer le corps de Jésus. Ils ont préparé les parfums, les cinnamons et ainsi de suite, les myrrhes, pour embaumer le corps de Jésus. Ils sont allés se reposer et ils sont allés le dimanche matin, croyant trouver Jésus-Christ pour embaumer son corps. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, comme on a dit que c'est positionné, notez Esther chapitre 2. Esther chapitre 2, verset 12. Vous avez noté? 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. Vous y êtes? Verset 13. 1 Samuel encore chapitre 2, verset 28. Vous y êtes, mes soeurs et frères. Oui, nous y sommes. Notez Néhémie chapitre 3, verset 1 à 8. Néhémie chapitre 3, verset 1 à 8. Notez Nombre chapitre 7. Néhémie chapitre 3, verset 1 à 8. Nombre chapitre 7. Entourez ce livre de Nombre chapitre 7. On va y jeter un coup d'œil si Dieu vous lance, il y a assez de temps. Vous y êtes? Oui. Notez Exode chapitre 30 et le chapitre 31. Vous y êtes, mes chers soeurs et frères? Oui. Notez Lévitique chapitre 16, verset 1 à 13. Lévitique chapitre 16, verset 1 à 13. Lévitique chapitre 16, verset 1 à 13. Notez Nombre chapitre 16, verset 30 à 47. Nombre chapitre 16, verset 30 à 47. Deux chroniques chapitre 16, verset 14. Et verset 18.
2 Chroniques chapitre 16, verset 14 et verset 18. Puis le chapitre 34, verset 25. Donc, nous allons prendre juste dans l'Ancien Testament, nous allons prendre le Nombre chapitre 7, puis l'Exode chapitre 30. On va prendre les deux, on va lire bientôt. Alors, dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Qui va lire alors? Matthieu chapitre 6. Vous avez déjà noté, je vous ai donné tous les versets qu'on va libérer. Je vous ai déjà noté. Je vous ai déjà donné. Matthieu chapitre 6, verset 10 à 17. Que ton règne vienne. La soeur qui écrit sur le forum, elle a écrit Matthieu chapitre 13, verset 28. Non. Non, elle a écrit en dernier lieu là, tout juste, 1 Samuel chapitre 13, verset 28. C'est pas cela. 1 Samuel chapitre 2, verset 28. 1 Samuel chapitre 2, verset 28. Donc, il y a 1 Samuel chapitre 8, verset 13 et 1 Samuel chapitre 2, verset 28. Voilà. Merci de corriger. Voilà. Allons-y, mon frère. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas les offenses, non, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Voilà. Alors maintenant, qui parle là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon maintenant, si le Seigneur Jésus-Christ dit que quand on jeûne, on parfume la tête, comme il y en a vu dans son cas pratique, on a versé effectivement le parfum sur sa tête. Et sa part de parfum n'était pas n'importe quel type de parfum. Parfum de 10 mois, plus de 10 mois de salaire. Pas vrai? Oui. Alors maintenant, si quelqu'un donc vient aujourd'hui et dit que le Seigneur lui a demandé qu'on n'utilise plus le parfum parce que tous ceux qui utilisent le parfum vont en enfer, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est scripturaire? Oui. Parce que Jésus dit ici que quand on jeûne, qu'on fasse quoi? Il se parfume la tête. Ok, maintenant, quand il dit qu'on se parfume la tête et que quelqu'un vient dire que c'est même Jésus a dit qu'on ne se parfume plus, lequel est donc vrai? Celui qui dit qu'on se parfume. Donc, ouais, il faut qu'on fasse attention avec des révélations, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, effectivement, il y a des marchands qui font des choses avec le problème, avec les démons de ténèbres. Mais ce n'est pas pour autant que non, on va jeter toutes ces choses-là. Parce que la Bible, Dieu l'utilise. Et on va voir tout cela, que depuis l'Ancien Testament, Dieu a même mis, il y avait même un autel de parfum, destiné au parfum. Enfin, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 28, dont j'ai demandé à la sœur de corriger. Si vous lisez cela, vous allez remarquer que il y a un homme de Dieu qui va venir et parler à Élie, puisque Élie faisait ses fils et autres péchés. Il a dit que j'étais choisi pour que tu portes le parfum, quoi, le fort, et que tu brûles le parfum devant de moi. Vous comprenez cela? Il y avait un autel de parfum, il y avait des parfums, des styles de parfums. On va voir dans Exode chapitre 30 et 31, tel que vous avez écrit là. On va voir tout cela dans la Bible. On va voir dans Nombre chapitre 7. Donc, c'est Jésus qui dit ici, nous venons dans un cas, parce que Jésus est notre modèle. Nous venons de voir que Jésus lui-même était dans une maison, il venait verser le parfum sur lui.
Les gens sont fâchés parce qu'on a utilisé ce parfum-là. Jésus n'a pas dit que non, le parfum est mauvais. Il a dit que c'est une bonne action même, ce parfum qu'on met sur ma tête. Et ici, lui-même, il dit maintenant qu'il faut que vous-même vous utilisez quand vous allez jeûner. Ne jeûnez pas comme les autres. Jeûnez en utilisant le parfum. Lavez-vous, parfumez-vous, mettez de l'huile. Vous voyez? Ah. Allons dans le Luc maintenant. Allons dans le livre de Luc. On lit doucement, doucement les passages que vous avez notés. On commence à Luc chapitre 1. Allez-y. Verset 5 à 1. Allez-y doucement, doucement de tout ce que vous avez noté comme, comme passage. Allons-y. Luc chapitre 1. Verset 5 à 11. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa place, il fut appelé par le sort par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc on offre le parfum. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon d'abord. Lis jusqu'au verset 11, alors allons-y. Ok. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tient debout à droite de l'autel des parfums. Voilà. Donc, il y a l'autel des parfums. Il y a l'heure du parfum. Il y a le parfum à offrir. N'est-ce pas? Bon, maintenant, si Dieu dit qu'on n'utilise pas le parfum, alors que lui-même, il l'utilise, et vous avez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Voilà. Continuons. Chapitre 7. Luc, chapitre 7. Verset 37 à 46. Vous ne voulez pas lire, non? Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds avec ses larmes, puis elle essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un avait 500 deniers, l'un devait 500 deniers et l'autre
50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il lui remit tous les deux, à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimerait le plus? Simon répond, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle a mouillé de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi... C'est bon, n'est-ce pas? 46, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, toi-même qui as lu maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette dame a utilisé son parfum pour verser sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit que c'est bon pour l'action qu'elle a posée. Mm-hmm. Elle a mis l'huile, le parfum, et le parfum, c'est comment? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit à cet homme-là? Oui, il a pris une parabole pour parler à cet homme-là, pour dire que celui à qui on pardonne, quand il est venu dans la maison, il a reproché, dans cette parabole-là, il a reproché quoi à cet homme-là, que depuis qu'il est entré dans la maison, qu'est-ce que l'homme n'a pas fait? Il dit que l'homme ne l'a pas donné de l'eau pour laver ses pieds, et puis l'homme ne lui a pas donné de baiser. Donc il y a l'eau et il y a baiser. Rapidement, on continue. Il y a de l'huile. L'homme aussi n'a pas versé de l'huile. De l'huile. Donc oui. Il n'a pas versé de l'huile sur sa tête. Mais cette femme-là, elle a versé du parfum sur ses pieds. Oui. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Oui. Donc, il y a le problème de l'huile et quoi? Oui. Le parfum? Oui. Donc, si quelqu'un dit maintenant qu'on n'utilise pas l'huile, on n'utilise pas le parfum, est-ce qu'il a un problème? C'est qu'il a un problème avec la Bible, non? Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire jusqu'ici alors, Frère Trabi? Que c'est utilisable. Et qu'est-ce qu'on a dit maintenant aux gens qui ont la révélation de l'enfer et autres? C'est pas la parole de Dieu. Okay. Ça contredit la parole. Ok. Philippiens donc. Allons dans Philippiens. Il fait chaud aussi là-bas. Ou bien c'est... Non. Il y a une question concernant les morts. Parce que les gens qui ont prêché, par exemple, contre le parfum, ils ont parlé des marques, par exemple, possession, j'adore, tous ces trucs-là, scandale. Donc, ce sont ces marques-là, ce qui se cache derrière ces marques-là, c'est de ça qu'ils ont beaucoup parlé. Bon, je pose la question alors maintenant. Supposons qu'on met la marque, on met sanctification sur le parfum. Vous allez faire comment? Je ne sais pas. Recevez la salutation du frère Camille de Canada qui vous salue là en direct. Il sait que nous sommes en direct. Ok. Donc je pose la question, suivez attentivement. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille au-delà de cette chose de bassesse. Satan connaît très attentivement. Ok, je prends un exemple. Vous avez là vu un pasteur venir prêcher qu'il est de chez Satan, que Satan est le maître de l'univers, que le Satan est le maître, il est mort pour nous.
Vous avez un pasteur prêcher comme ça. Mais la Bible déclare qu'ils vont donner les enseignements démoniaques. Nous sommes d'accord. C'est ça. C'est-à-dire que ça sera tellement subtil. Donc aujourd'hui, si on crée un marque et on met maintenant pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? On écrit gloire de Dieu. Vous allez dire que non, ici on a écrit gloire de Dieu, Dieu avec grand D, n'est-ce pas? Bon, maintenant, supposons que cette personne qui a reçu cette marque et ce nom-là est un sataniste et que Satan lui a dit que écrit pour la gloire de Dieu et que ce Dieu-là, c'est moi. Comment toi, tu vas faire pour savoir que le Dieu dont on parle là-bas, c'est Lucifer et non ton Dieu? Donc vous voyez qu'il faut, il faut quitter ce petit niveau là de c'est la telle, c'est parce que le nom c'est tel, parce que le nom n'est pas le problème. Il faut aller au niveau des relations avec le Saint-Esprit. Vous devez savoir de quoi il est question. D'accord? Donc c'est pas tellement la marque, c'est qu'il y a des choses, des œuvres qui viennent des ténèbres. Il faut en quitter. Mais des choses, quand vous voyez quelque chose qui est une marque qui est ostentatoire vis-à-vis de l'évangile, hostile vis-à-vis de l'évangile, on ne doit pas utiliser. Vous voyez par exemple un parfum, on écrit séduction. Mais c'est quand même terrible. Vous-même, vous allez acheter la séduction. Hein, ma soeur, toi-même, tu feras ça. Possession. Possession, voilà. Vous voyez les parfums dont la tête des bouteilles, c'est la tête des morts, c'est le squelette. Vous-même, vous allez acheter. Possession. Possession. Je ne sais pas si vous comprenez. Obsession. Obsession. Comme vous-même. Mon frère, je parle pour moi maintenant, je vais plus acheter. Mais avant, ce n'était pas ça le problème. Avant, ce qui m'intéressait, c'était l'odeur. Il y a des très bons parfums sans ces grandes marques. Hein. Enfin, moi, le Saint-Esprit m'a révélé parce que j'achetais beaucoup ça avant, mais j'ai tout jeté. Maintenant, je sais. Mais moi, j'ai découvert des prix. Ce n'était pas ça. C'est pas un marque que je n'ai pas. Ouais. Je ne parlais pas la foi. Ouais, patience. Hein. Regardez ça, par exemple. Regardez. Vous voyez, ça c'est parfait. Hein? On n'a pas fait la publicité. On n'a pas fait la publicité. Waouh! Donc c'est plus scandale. Tellement il a vu ça une fois, il a dit quoi? Je n'en reviens pas. Jusqu'à faire une photo, il dit hein? Ceux-là ils ont créé parfum comme ça. Donc le parfum c'est scandale. On voit là parfum. Pour ceux qui ne voient pas, comme ils ne voient pas, on voit parfum. Vous voyez? Parfum, c'est Gauthier. C'est qui, c'est Gauthier? C'est Gauthier. Scandale. Et vous voyez effectivement une femme là qui est assise sur les grandes constructions quoi, de la France ou bien de la Belgique, à moitié nue avec les cuisses dehors. Vous voyez comment que les femmes de séduction sont vraiment, vraiment démoniaques, n'est-ce pas? C'est quand même terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Que Dieu soit glorifié de toute façon. Amen. Donc, le Seigneur. Ce sont aussi ce qui attire aussi notre attention beaucoup dans tout ça là. Ce sont les publicités aussi qui sont faites autour de ce parfum là. Oui. Mais sans publicité, on ne peut pas vendre de toute façon, n'est-ce pas? Oui. Mais quand vous voyez dans les stars commencent à priser une chose particulièrement, sachez qu'ils sont des indicateurs de publicité pour induire les gens en erreur. Les stars de cinéma, de football sont là pour induire les gens en erreur. Donc, ce sont les évangiles de Satan pour les montrer une voie. Si je dis quelque chose, vous les voyez à la télévision, après ils montrent que ça. Ils vous regardent à la télévision. Sachez qu'il est en train de dire que vous avez vu, non? Faites comme moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, quand il est en train de faire comme ça, vous qui êtes des chrétiens, sachez qu'il est en train de vous dire clairement, c'est en train de lui dire que vous aussi, ne faites pas comme lui. D'accord? Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va prendre quel passage maintenant? On a lu Luc, on a lu ceci. On a compris jusqu'à présent. On a compris que le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 16, quand on jeûne, on doit mettre ces choses-là sur nous. Pour nous parfumer, parce qu'arrêtez, quand vous jeûnez, quand vous ne lavez pas, vous allez avoir une odeur corporelle. D'accord? Une odeur corporelle. Maintenant, prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Tout à l'heure, quand nous avions travaillé dans le cadre de musique, nous avons vu là-bas que les gens tenaient la harpe à leurs mains. Vous regardez très attentivement dans ce verset, il est dit que non seulement la harpe, mais ils avaient des coupes remplies de parfum. Si vous lisez très attentivement là-bas, je crois que prenons les versets d'Apocalypse en dehors des chapitres 18, verset 13 qu'on a lu à l'entrée. Prenons les trois autres passages. Frère Julien. Oui, la sœur là. Oui. Les parfums dont l'Apocalypse décrit, ce n'est pas les prières des saints. C'est ce qu'on va y arriver, on va vérifier. Donc, comme tu es Louise Seconde, allons-y, vérifions directement. C'est l'Apocalypse comme le chapitre 8. Chapitre 5, verset 8. Bon, 5, verset 8. C'est
Quand il... Apocalypse, on lit ça, hein? Apocalypse, oui. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Donc on dit que les parfums d'or étaient quoi? Et les saints là sont où? Et à ce temps, les saints là sont où? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, verset 8 là. Et ça veut dire que quand les saints prient ici, ça va dans un truc symbolique de la coupe, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y avait sur la terre l'autel des parfums, comme on a vu dans le cadre de Zacharie, là, l'autel des parfums, il y avait des jours. Parce que c'est un jour où les gens sont là pour prier, effectivement. D'accord? Donc on voit effectivement que les parfums ont un symbole spirituel de la prière, n'est-ce pas? Comment on voit cela ici et que quelqu'un vient dire que Jésus lui a montré en enfer qu'on ne doit pas utiliser le parfum? Ça a un sens là, mes soeurs. Ce que je commence à comprendre maintenant, c'est que cette personne qui le dit, c'est que ils sont pas entrés en profondeur, ils ont été choqués par ces images de perversion, bien ces noms scandaleux. Supposons que les personnes aient effectivement vu une vision et qu'ils aient eu à voir quelque chose. Ce n'est pas que c'est tous les parfums qu'on fait dans le monde des ténèbres qui sont sur la terre, que non, parce que sinon, le verre d'albâtre, le parfum d'albâtre que des nards que la femme avait versé viendrait du monde des ténèbres. Vous voyez, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand dans l'hymne de Malachie chapitre 3, vous allez voir chapitre 3 et chapitre 4, vous allez voir qu'à la fin du temps, effectivement, quand le temple sera construit encore à Jérusalem, on va encore brûler des parfums, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Oui. Donc, ça veut dire que peut-être ils ont dû y voir la vision où on voit comment on fabrique les parfums. Ce n'est pas tous les parfums qui sont sur la terre qu'eux, ils fabriquent là-bas. Comme on va voir tout à l'heure. Continuons, Apocalypse, prochain verset. Apocalypse, chapitre 8, verset 3 à 4. Et un ange vint et il se tint sur l'autel et un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc vous voyez effectivement que ici, merci ma soeur, vous voyez que ici, les parfums sont donnés en accord avec la prière. Ici, ce n'est pas le parfum qui est la prière, il y a la prière seule, le parfum seul. Vous voyez? Et c'est devant l'autel, exactement comme Zacharie le faisait dans l'ancien livre de Luc au chapitre 1. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors au chapitre 30 d'Exode maintenant, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait plus de 4 heures de temps comme ça de travail, n'est-ce pas? La 8e partie et la 9e partie. Là où nous avons travaillé, les musiques chrétiennes sont-elles sataniques, n'est-ce pas? Et là maintenant, nous sommes à 4 heures, justement 4 heures de temps là, au total. Ça, il faut le faire. Il est 1h et presque 30 minutes à Bruxelles. Bruxelles, où nous allons maintenant pour lire Exode chapitre 30, verset 1 à 11 et suivant. Tu feras un métal pour brûler de parfum. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Voilà. Tu le couvriras. Donc, vous avez le temps de lire tout cela. Maintenant, allons au verset 22 jusqu'au verset 31, cette fois-ci. Ou bien jusqu'au verset 33. Donc, verset 22 à 33, cette fois-ci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends le meilleur aromate, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un rein d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte,
composition du parfum selon la du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enlèveras la tente de l'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les, ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes pour ce qui le touchera sera sanctifié. Tu rendras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions et elle est sainte et vous le regarderez comme sainte. Quiconque composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera un retranché de son peuple. Amen. Amen. Donc, vous avez vu comment Dieu avait donné même des proportions qu'on devait faire le parfum qui devait être utilisé pour être sanctifié, pour sanctifier. Et c'est ça qu'on devait utiliser pour sanctifier les sacrificateurs, sanctifier les ustensiles du travail. Et au chapitre 31, donc, il va choisir les gens en qui il va mettre son esprit pour pouvoir faire toutes ces choses, pour pouvoir manipuler toutes ces choses-là. Il a même interdit qu'on ne devait pas mettre ça sur les gens, sur le corps de quelqu'un. Mais aujourd'hui, on dit qu'on a l'huile d'onction. Oui, effectivement, que l'huile d'onction, c'est le parfum, l'huile d'olive, plus d'autres choses, des compositions, des cinnamons, ainsi de suite. En clair, mes chers sœurs, tous les parfums ne viennent pas du monde des ténèbres, mais la Bible nous présente que le monde des ténèbres travaille avec la grande majorité des commerçants sur la terre et ils s'enrichissent et versent dans le luxe à cause des démons qui leur donnent des objets à grand prix, des objets de grande puissance sur la terre, tous les autres objets qui viennent là-bas et les technologies qui viennent là-bas. Donc on est mal barré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester sous la puissante main du Seigneur Jésus-Christ. Belgique dans la sainteté, bonsoir et bonne soirée. Bonsoir, merci. Merci. Bonne soirée, frère. Mon père dit que je ressens tes bienfaits sont trop grands. Au fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis-je que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.